Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous parle de quoi? L'importance de la confiance en soi quand tu deals avec les femmes en fait. Il faut que tu aies réellement confiance en toi quand tu deals avec les femmes. Il faut que tu saches en fait qui tu es. Il faut que tu sois sûr de ta valeur quand tu deals avec les femmes. Parce que les femmes ont un jeu de vouloir en fait rabaisser ta valeur à chaque fois que tu deals avec elles. C'est-à-dire quoi? Elle va te faire penser que non, c'est pas parce que tu as l'argent que je deal avec toi. C'est pas parce que tu as du succès que je deal avec toi. Ça ne m'impressionne pas. J'ai l'habitude de dealer avec ce genre de personnes pendant qu'elle n'a jamais dealé avec un homme qui est à ton niveau. Réellement, tu es la première personne de ce niveau-là avec qui elle deal. Mais elle va vouloir te faire penser que non, elle a déjà dealé avec ce genre de personnes. Elle n'a jamais dealé avec ce genre de personnes-là. Et elle rabaisse ça pour te faire, pour voir en fait si en vérité tu connais ta valeur. Pour voir si tu sais vraiment qui tu es. Parce qu'il y a des hommes qui ont la valeur. Il y a des hommes qui ont réellement de la valeur, mais qui ne sont pas conscients de ça. Tu vois un peu? C'est-à-dire que tu es non limite, mais tu ne sais même pas. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que tu as l'argent, c'est-à-dire que tu es beau, c'est-à-dire que tu as du bon game. Mais il y a des parties que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, par exemple, que la femme a besoin de la relation. Tu ne comprends pas, par exemple, que la femme doit te poursuivre. Que ce n'est pas toi qui dois la poursuivre. C'est elle qui doit t'envoyer des signaux d'engagement pour que toi, tu commences à lui faire la cour. Tu comprends un peu? Donc, quand tu ne comprends pas cette partie du jeu-là, la femme joue avec toi. La femme joue avec toi. Elle joue avec toi. Elle te fait comprendre que non, tu n'es pas assez bien pour elle. Elle a déjà eu des hommes qui la traitent de telle manière. Elle a déjà eu des hommes qui l'envoient dans tel endroit, dans tel endroit. Tout ça en fait pour te rendre insécure, pour voir si tu vas mettre la main à la pâte pour pouvoir égaler le ce qu'elle te dit. Comment? Moi j'avais l'habitude d'aller dans des restaurants 5 étoiles en fait. Genre 4 étoiles, c'est pas mon niveau. Pourtant, elle n'est jamais allée dans un restaurant 1 étoile. Tu comprends un peu? Juste pour jouer avec ton mind en fait. Et si toi tu commences à poursuivre pour vouloir en fait trop faire. Tu comprends un peu, tu vas vouloir trop faire, trop lui mettre la main, trop l'emmener au niveau où elle veut. Elle te dit qu'elle a l'habitude d'être en fait. Elle va comprendre que tu ne connais pas ta valeur. Elle va comprendre que tu ne connais pas ta valeur. Elle va comprendre que c'est pas moi qui dois chercher la validation de ce gars, c'est lui qui va chercher ma validation. Tu n'es pas censé chercher la validation d'une femme. Tu n'es pas censé chercher la validation d'une femme. Parce que les gars à qui je parle, ce sont des gars qui ont compris que je dois chercher l'argent. Je dois m'améliorer physiquement. Je dois travailler sur mon sexe social. Je dois travailler sur mon mental, sur mes connaissances. La plupart des personnes qui me suivent, c'est des gens qui ont compris ça. Donc, en aucun cas, en fait, tu vas en fait te rabaisser pour avoir la coopération d'une femme. En aucun cas. En aucun cas, tu vas te rabaisser pour avoir la coopération d'une femme. C'est jamais possible, frère. Donc, il faut que tu commences à réellement avoir confiance en toi. Réellement, à comprendre en fait quel pouvoir tu as en fait en tant qu'homme. Il faut que tu comprennes quel pouvoir tu as en tant qu'homme en fait. Parce que si tu es bien dans ta vie, si tu es indépendant, si tu es chez toi, tu n'as pas de problème, tu vis seul ou bien tu dépends de toi en fait. Tu comprends un peu? En aucun cas en fait, tu dois te prouver à une femme. Arrêtez de vouloir vous prouver à une femme. Arrêtez de tolérer les maîtres d'une femme. Arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez réellement de tolérer les mères d'une femme. Ouais. Quel que soit comment tu aimes une femme, si elle commence à jouer avec toi, faut la bouer. Laisse-la partir. Pour les gens qui demandent, faut la bouer, ça veut dire quoi? Ça, c'est un ivoirien. Ça veut dire, faut la laisser partir. Faut t'en foutre d'elle. C'est ça, en fait, les gars. Donc, commencez à comprendre que la confiance en soi est majeure quand tu deals avec une femme. Réellement, quand tu ne sais pas qui tu es, les gens vont te donner ton propre prix. Quand tu ne connais pas ton propre prix, les gens vont te donner le prix qu'ils veulent. La femme va te donner le prix qu'elle veut. Parce que la femme a tendance à penser qu'elle est le prix. Les femmes pensent réellement qu'elles sont le prix jusqu'à ce qu'elles tombent sur un homme en fait qui lui fait comprendre que je suis le prix. Je suis le prix. Tu dois travailler pour avoir mon approbation. Tu dois travailler pour avoir ma validation. Bien sûr, je vais faire ce que je dois faire en tant qu'homme, mais je ne vais jamais chercher ta validation en fait. Tu comprends un peu? Voilà, donc comprenez ça les gars. Comprenez ça, travaillez sur ça, ne laissez pas les femmes abaisser votre niveau, parce que tu dois t'élever. Quand tu t'élèves, tes ex vont vouloir revenir, c'est ça. Elles vont vouloir revenir parce que les gens me disent quoi? Que non, elle m'a laissé, ça fait 2-3 mois et elle veut revenir maintenant. Pourquoi elle veut revenir? Parce qu'elle sait qu'elle a fait un mauvais choix. Parce que ton amélioration marche, tu lui as montré que elle a fait un mauvais choix et elle veut revenir. Mais quand elle revient, tu as deux choix. Soit tu la prends,
peut-être elle va bien se tenir si tu es gentil. Ou bien soit tu l'utilises à ton avantage et puis tu la laisses. Ou bien soit tu la prends pas. En tout cas, ça dépend de toi. Tu comprends un peu? Mais faut jamais laisser une femme te faire penser que non, tu n'es pas assez bon pour elle. Tu es trop bon pour elle. C'est ça! Tu es trop bon pour elle. La majeure partie du temps quand elle fait ça, c'est parce que tu es trop bon pour elle. Et elle n'arrive pas en fait à comprendre. Elle n'arrive pas à... Comment on appelle ça? Elle n'arrive pas à imaginer que... Elle peut t'avoir. Tu deals avec elle. Tu vois un peu? Donc elle essaie de tester pour voir si tu sais que tu es trop bon pour elle. Tu comprends un peu? Elle essaie de tester pour voir si tu es trop... Si tu sais que tu es trop bon pour elle. Et elle maintenant, si tu lui montres que... Tu es trop bon pour elle, que tu sais que tu es trop bon pour elle, elle va se calmer. Mais si tu ne sais pas que tu es trop bon pour elle, tu vas te dire qu'elle est trop bonne pour toi et tu vas jouer à son jeu. C'est comme ça qu'elle fuck ton mental en fait. Tu comprends un peu? Et arrêtez de vous concentrer réellement sur les femmes qui vous fatiguent. Parce que ça te fatigue. Quand une femme te fatigue, elle reste pas tranquille, tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Si tu n'es pas un homme focus, tu vas te déconcentrer. Tu vas te dire non, pourquoi elle fait comme ça? Pourquoi elle fait comme ça? Tu vas te poser les questions, tu vas envoyer les mails à Dave parce que tu ne comprends pas. Reste serein. Garde ta confiance en toi. C'est le meilleur atout quand tu deals avec une femme. Quand tu as confiance en toi, quand tu sais ce que tu amènes dans une relation, frère, personne ne peut te faire peur. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes qui te haïssent, que ce soit les hommes qui n'aiment pas ta tête, que ce soit les gens en fait qui font des complots contre toi. Si tu as confiance en toi, frère, tu es serein, tu marches la tête haute. Voilà, la clé du game, c'est la confiance en soi. La clé du game, c'est la confiance en soi. Si tu sais que je suis un homme, je suis travailleur, je suis un homme, je peux demander de l'aide, je n'ai pas d'orgueil en fait. Je peux demander de l'aide quand ça ne va pas aux personnes qui veulent vraiment m'aider. Frère, tu n'as pas de raison en fait de te laisser marcher dessus par celui-là, par celle-là, par celui-là, par celle-là. Non. Parce que tu vas arriver où tu veux. Gardez la foi, les gars. Gardez la foi en vous pour avancer. Gardez la foi en vous pour continuer sur votre route, en fait. Voilà. En même temps que tu dois avoir la confiance en toi, en même temps que tu dois garder aussi un minimum d'humilité, en fait, pour pouvoir demander de l'aide aux personnes qui peuvent te faire avancer. C'est ça. Mais jamais tu as laissé les gens te faire douter de ta valeur. Jamais. Jamais. En tant qu'homme, je vous dis toujours, un homme, en fait, un mâle, il tient toute une famille. Un mâle peut nourrir tout un village. Un mâle peut nourrir toute une nation, en fait. C'est ça le pouvoir de l'homme. C'est ça le pouvoir de l'homme. Quand vous comprenez le réel pouvoir de l'homme, en fait, personne ne peut plus vous faire quelque chose. Parce que quand un mâle naît dans une famille, c'est sûrement un sauveur. La plupart du temps, quand un mâle naît dans une famille, c'est sûrement un sauveur. Parce qu'il peut nourrir toute une famille. Un seul homme, il peut nourrir toute une famille. Donc quand tu peux nourrir toute une famille, tout un pays, pourquoi tu te soucies en fait des personnes qui doutent de ta valeur? Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à quelqu'un. Quand tu es un homme de valeur, on voit. Tu vois un peu? Quand tu es un homme de valeur, on voit. Tu n'as pas besoin de dire, on voit. Faut pas laisser les gens te faire chier. Les femmes te font penser que non. Elle a l'habitude de dealer avec telle femme, tel homme. La plupart des gars avec qui elle deal, ils sont même pas à ton niveau, frère. Ils sont même pas à ton niveau. C'est des bolos qui sont en train de se bolo. On est ensemble, les gars. Ton nom, buvez l'eau. Force à vous. On est ensemble. Force.